Cette somptueuse toile, animée par ce moment furtif d'un baiser entre un homme et une femme, fut réalisée par le peintre Francesco Hayez en 1859. Dans ce qui semble être une architecture médiévale, la scène paraît se dérouler à l'abri des regards. Le couple, alors illustré au centre de la toile, est le pilier de cette œuvre dont une ombre dans le porche sur la gauche menace pourtant l'équilibre général de la scène. Figurés à la manière de troubadours, les deux jeunes gens sont saisis dans la brièveté d'un moment charnel qui ne tardera pas à prendre fin. Bien que la toile fût peinte en 1859, l'artiste Francesco Hayez ne paraissait pas préoccupé par une approche contemporaine, tant dans les habits des protagonistes que dans le cadre architecturé, où un Moyen-Âge sublimé domine l'ensemble de la composition. Il était en effet préférable d'accompagner ces moments charnels par une illustration idéalisée et non en figurant la réalité. Ce romantisme italien célébrait ainsi la beauté d'une atmosphère médiévale, dans laquelle un couple, grâce à leur costume, prenait l'apparence de troubadours. Le peintre était passionné par le récit de Roméo et Juliette, couple qu'il avait peint en 1823 et qui nous rappelle étrangement cette toile. Si cette œuvre remplie de romantisme nous évoque l'amour de ce jeune couple enlacé pour un bref instant, ce n'est malheureusement pas le sens premier que l'artiste a souhaité figurer sur sa toile. De l'amour à la politique, c'est bien un événement historique que Francesco Hayez a voulu peindre. En effet, l'œuvre fut réalisée en 1859 à l'occasion d'une exposition à la Pinacothèque Brera de Milan dédiée au Risorgimento, soit les guerres au cours desquelles l'Italie s'était libérée de la domination étrangère. Ce couple ne représente donc pas des amants follement amoureux, mais bien la France et l'Italie venant de signer leur alliance en 1859. Les couleurs, tout à fait significatives, évoquent les drapeaux tricolores et donc cette alliance politique que le peintre a déclinée de diverses manières selon les événements historiques. Il existe donc plusieurs versions de cette toile. L'œuvre possède ainsi une grande portée symbolique pour le pays. Le couple illustre finalement la naissance d'une nation, l'indépendance d'un peuple. Le choix symbolique de l'image du couple non identifiable permet à l'ensemble des spectateurs de comprendre la scène et de s'en approprier le récit. Dans les quelques versions existantes, le jeune homme paraît positionner son pied sur une marche, interprété la plupart du temps comme un futur départ à l'accomplissement de ses missions politiques, l'indépendance italienne. J'espère que cet épisode spécial Saint-Valentin vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.